Aujourd'hui, au podcast, on tente de démystifier certains biais comportementaux, cognitifs et émotionnels. On soit le vulgarisateur boursier Michel Villa. Bienvenue à Garde le Change. Sam Nado, mon co-animateur, est-ce que tu es content d'être là aujourd'hui? Je suis toujours content d'être là, David, <laughs> tout le ben, temps. Moi aussi. Surtout quand c'est Michel. C'est ça, c'est un plaisir partagé. On reçoit le vulgarisateur boursier Michel Villa. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir. Salut les gars, très content d'être là, moi aussi. Ouais, ben aujourd'hui là, on va dans les sentiments, dans l'émotion. On va parler de parle... nos émotions. Ouais, on parle de biais comportementaux. Euh, Peux-tu faire la définition en commençant de qu'est-ce qu'un biais? C'est une erreur de jugement. OK. C'est pas compliqué, puis on est vraiment constant dans cette erreur-là. Mais par exemple, par exemple si tu n'as jamais aimé le Canadien de Montréal, ouais. même si on participait à la grande finale de la Coupe Stanley en 2020, tu n'aimeras pas le Canadien de Montréal cette année, puis l'année prochaine, puis dans cinq ans. C'est vraiment une erreur de jugement. C'est que tu es biaisé, dans le fond. Oui. Le biais vient de biaiser, j'imagine. Tout à fait. Okay. Il y a deux modes de pensée quand on parle de biais comportementaux. Toi, tu l'expliques avec le système 1 et le système 2. Je vais te laisser faire du pouce là-dessus. Oui, c'est Daniel Kahneman, psychologue et lauréat du prix Nobel d'économie, lui il dit qu'on pense selon deux modes de pensée. Okay. Le système 1 il est automatique, intuitif et rapide. Le système 2, lui, ça prend plus d'efforts d'avoir vraiment une méthode puis une approche. Donc, le système 1, on appelle ça des règles du pouce, des heuristiques, des raccourcis mentaux. Pis ça vient d'où? Bien, ça vient de notre jugement, notre expérience, nos routines nos habitudes de vie. Puis ça, ça nous aide vraiment dans le quotidien. Qu'est-ce que je prends pour le petit-déjeuner? Comment que je me rends au travail? Puis qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Parce ouais. qu'on est des gens qui sont très routiniers. Quand on arrive pour prendre des décisions, 95 de nos décisions proviennent du système 1. Oh. Parce qu'on veut tourner les coins ronds, on veut faire le moins d'efforts possible, puis le moins d'énergie, s'il vous plaît. Système 2, lui, là, ça prend plus de temps. Ça prend de la réflexion, il faut prendre certains certain recul, respirer par le nez pour être plus rationnel. OK? Donc, à la bourse, pour connaître du succès, on doit-tu utiliser le système 1 ou le système 2? Bien <laughs> sûr, le système 2, parce que souvent, les biais comportementaux qui sont les erreurs de jugement proviennent du système 1. Mais pour atteindre, tu pour être en mesure d'adopter le système 2, ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est sûr que non? Ben, il faut vraiment premièrement prendre conscience que des fois tu prends des décisions vraiment précipitées. Faut il aller faire un tour au Tibet, genre une retraite. Non non non, ça, non, bon. non 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 okay. non. Une bonne façon, c'est d'avoir un journal transactionnel. Prendre en note tes transactions dans le journal, puis te poser la question pourquoi tu as acheté cette action là. Juste le fait de coucher tes raisons sur papier, ça ralentit le rythme. Tu veux juste créer un écart entre ce que tu ressens puis l'action. Parce qu'on dit souvent Ah, oh, moi, c'est mes émotions ont ouais. joue un mauvais tour, mais une émotion, c'est une source d'information qui est neutre. Il n'y a rien de mal d'être en colère. Ce qui est problématique, c'est d'agir sur le coup de la colère. Ouais. Donc, de prendre le temps de dire écoute, je fais une petite montée en moi. Là. Je pense que je vais pogner les nerfs. Puis là, ce que ça va faire, c'est que je vais faire une mauvaise transaction. C'est là que ça cause du trouble. Donc, mmh. juste le fait de ralentir le rythme j'ai l'impression aussi que lorsqu'on débute en investissement boursier, ça fait partie des erreurs que les gens font. Oui. Ça, aussi, je pense que tu disais. Euh... Moi, je fait tous les erreurs. Oui, c'est ça, exactement. <laughs> les relié à tes à tes émotions. Non, non, mais ça en face, c'est moi quand j'ai commencé, j'avais pas une. J'avais une intuition, mais peut-être que mon intuition était moins aiguisée. Puis moi, j'y allais beaucoup, beaucoup sur le feeling puis l'intuition. Fait que je flippais souvent des 25 cents. Mais t'sais, le fait que la bourse monte, je sais quoi, c'est 75% du temps ou quelque chose comme ouais, ça? À du chaque, genre, année, ouais. chaque année, oui. Chaque année. Le fait que la bourse est toujours en croissance ou presque toujours en croissance, ben, t'sais, je faisais des bons coups parce ouais. que. Le, le... Le, le, le fait que la bourse monte, ben, mes actions montaient avec ça. Par contre, j'ai fait de la spéculation sur des titres que j'y allais juste au feeling avec une nouvelle que j'entendais sais c'était un <laughs> 25 cents. Ouais, j'ai été, été hautement aussi. biaisé. Par contre, aujourd'hui, je peux dire que ça fait 12-13 ans que j'ai investi à la bourse. T'sais, je commence à avoir un sens qui est un petit peu plus aiguisé, une intuition qui est un petit peu meilleure. J'ai l'impression que ça a évolué et je suis, je suis meilleur. Mais moi, euh, je, le système 2, là, je l'utilise pas énormément, j'utilise peut-être 25% du temps, puis 75% du temps, c'est mon intuition. Par contre, je fais pas du, euh, du day trading comme on appelle en, ouais, en anglais, je fais plus du swing, mais aujourd'hui, je peux dire que mes coûts sont meilleurs à cause de mes erreurs du passé puis qu'est-ce que j'ai réalisé. L'expérience que tu as, as acquis. Oui, exactement. OK, bien, super, c'est intéressant parce que moi moi aussi, j ai, j ai, je me trouvais bien, viking lors de la première <laughs> saison. J'étais comme, je vais me lancer dans le monde de l'investissement boursier. Puis, euh, non, j'ai vite réalisé que c'est pas avec les émotions que j'allais <laughs> faire de l'argent. Mais hey, il y a euh, une oui. affaire qui est cool, par exemple, David, c'est quand on commence, on n'a souvent pas énormément d'argent. Oui. Fait que les, les erreurs qu'on fait, notre, notre apprentissage ne nous coûte pas extrêmement cher à moins de commettre des grosses erreurs comme y aller avec 100% de ses économies, puis de le gambler à 100%. Mmh. Mais quelqu'un qui, ouais. on va dire, il a 10 000 dollars de côté, puis commence en bourse avec 2 000, 2 500, ben, ça me semble un, un risque raisonnable. Mais l'apprentissage qu'on va faire, si on est plus quelqu'un qui... Euh... Ben, moi, je suis très intuitif, puis je suis très... Je euh... vais sauter dans l'eau, puis je vais prendre à nager une fois que je suis ouais. dedans. Je n'irai pas lire quatre livres, peut-être comme Michel ferait euh, avant. Fait que, Moi, j'apprends de mes erreurs. Fait que le fait que j'ai commencé avec pas beaucoup d'argent, aujourd'hui, je peux dire que mon apprentissage m'a coûté quelque chose, mais m'a pas coûté deux bras. Mm -hmm. C'est tellement un bon point parce que on le sait par exemple qu'est-ce qu'on doit faire pour bien s'alimenter, mieux dormir, être en forme physique. On le sait, mais ce qu'on le fait, pas vraiment. Puis on donne un paquet de conseils pour bien le s'autoréguler, bien gérer ses émotions, etc. Mais on dirait là, faut qu'on la mange, la claque sa gueule pour vraiment apprendre. C'est pour ça que c'est ouais. important de commencer tôt. Parce que, comme je disais, tu vas tomber moins de haut ouais. à 20 ans que, mettons, à l'approche de la cinquantaine. Mmh. Il y a les euh, biens comportementaux, il y a les biens émotionnels, cognitifs, ouais. et il m'en manque un. Euh, ah, t'es bon, t'es bien parti. Ouais, il en, il en manque trois. non, garde. Okay. <rire> <rire> avec toi. Hey, je me sentais piégé, je me demandais. Là. Non, mais tu as les biens comportementaux, <laughs> ils ont deux catégories. Ah, c'est ça, cognitif et émotionnel. Cognitif et émotionnel. Okay, cognitif, c'est des erreurs de jugement liées au traitement de l'information et de la mémoire. C'est un peu comme ton microprocesseur, la manière que tu opères à l'intérieur de ton cerveau. Bien émotionnel, c'est ce qui est en lien avec tes ouais. sentiments, pensées okay. et les émotions. La bonne nouvelle, c'est que les biens cognitifs, ça se corrige avec la formation et l'éducation. Les biens émotionnels, c'est un peu plus difficile parce que c'est en lien avec ton ressenti à toi. Okay. Je ne sais pas si vous êtes prêts, les gars, mais je vous ai préparé là, deux petites mises en situation pour vraiment faire ressortir comment un bien émotionnel, ça peut être difficile. Est-ce que ça vous tente? Ça me tente. Yes! Dans un premier temps, vous voyez ici un 50 J'ai rarement yes. vu ça dans ma vie, Michel. Tester la lumière. Oui, pourquoi? Non, non, c'est pas vrai. En plus des 100 toi? Non, c'est okay. ça, des bras. Alors, c'est un vrai 50 tester la lumière. Ouais. Et là, j'ai un 25 cents. OK? Alors, je vais tirer mon 25 cents dans les airs. Si ça tombe sur pile, je vous donne 50 OK. Si ça tombe sur face, vous me donnez 50 dollars. Alors je répète. 25 cents, ça dans les airs, ça tombe sur pile, vous gagnez 50 dollars, mais si ça tombe sur face, vous me donnez 50 dollars. Samuel, est-ce que tu joues avec moi Absolument Oublie? pas. non hein? Absolument pas. OK, avant de savoir pourquoi toi David. Moi, oui. Moi, oui je ouais, je OK, parler. oui, il est content. <laughs> pour quelle raison que tu ne veux pas jouer Ben pour moi le, le, le fait de donner 50 dollars est beaucoup plus gros que le fait de gagner 50 dollars. OK. Moi, ça m'apparaît. Émotionnellement, ça va faire plus mal de te le, de te le donner que la joie et de mmh, le recevoir. Ouais. Et toi, David? Moi, je suis un grand gambler. Euh, <laughs> <laughs> J'adore avoir le risque de soit gagner ou perdre. Fait que rendu là, je me dis bon. Ben c'est sûr, peut-être que si tu m'avais posé la même question avec dix mille c'est pas la, la <laughs> même réflexion, différent. mais là, 50 Côté risque, moi je trouve que. Tu peux l'assumer. Ouais, c'est ça. J'trouve. Vous savez que c'était un vrai test qu'on a fait, hein? On a posé la question aux gens, puis ce qu'on a réalisé, c'est que les gens, ça leur tentait pas d'accepter ce jeu-là, un peu comme Samuel. Pourquoi? Parce que la douleur émotionnelle ressentie par une perte okay. est supérieure à un gain similaire. Donc, ce que ça veut dire en bon français, gagner 50 c'est le fun, mais perdre 50 mmh. c'est plate paye, en tabarouette. Et ça, c'est vrai pour les facteurs les plus stressants dans une vie. Juste à penser à un congédiement, un décès, un divorce, un déménagement mmh. ou une maladie. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit aux gens écoute, tu as 50 des chances de gagner et tu as 50 des chances de perdre. Donc, si tu as à prendre la décision 100 fois, ton gain va être de zéro parce que tu vas gagner une fois sur deux puis tu vas perdre une fois sur deux. Okay? Donc, on a posé la question aux gens qu'est-ce que ça prendrait comme montant pour que tu puisses jouer avec moi? Okay? Donc, là, Samuel, tu perds 50 ça tombe sur face ça tombe sur pile, quel montant que ça prendrait que je te donne pour que tu puisses jouer avec moi? Euh, probablement 200. 200? À 200, je le ferai. oui. Mais tu perds encore 50 Oui. OK, juste 50 Mais c'est quoi, on va... 200, je le ferai, mais on jouerait cinq fois. OK. Là, c'est juste une fois qu'on J'accepte okay. <laughs> <laughs> pour 200. Donc, on parle ici d'un ratio de 4 du 1. Tu veux gagner 200 dollars dans la perspective de perdre 50 dollars. Mais quand on a fait de l'expérience auprès des gens, les gens disaient ça prend un montant au minimum deux fois plus important. Okay. C'est pour ouais, ça okay. qu'on dit qu'à la bourse, perdre, c'est deux fois plus douloureux qu'un gain équivalent. Quand tu disais tantôt, « Ah, oh, ouais. j'aime pas ça, là, d'avoir à donner 50 dollars à Michel. Ouais. » C'est à cause de ça. Et ça, c'est vraiment important pour la gestion de portefeuille. Êtes-vous prêt pour le deuxième? Yes. Oui. Yes. OK, yes. on joue pas pour vrai. Non, non. <laughs> Donc, ce qu'on vient de voir ensemble, c'est l'aversion aux pertes. Une perte, ça fait plus ouais. mal qu'un gain. Et là, on va rencontrer un autre biais comportemental. Mais juste avant, étant donné que le temps des fêtes approche, on est en novembre 2021, j'ai j'écoute de te faire un petit cadeau. Oh, c'est oh sympathique. Une petite danse de café de Noël. Waouh, wow, ouais. Elle est hey, lourde. Elle est lourde, hein? Je ne sais pas, là, c'est des textes en, en anglais. OK. <laughs> Donc là, là, ça vaut, ça vaut ouais. le moment, c'est à toi. Non, pas de café. Okay. Donc, belle tasse. Et à toi. Oui, fait avec ton gilet en plus, oui. Okay. Là, maintenant, j'ai une question à te poser. Samuel, là, il regarde ça, puis il est un petit peu jaloux. Mm -hmm. Il regarde ta tasse, ben Oui, je là. sais, je le comprends. Michel, il ne m'a pas amené de tasse aujourd'hui. Là, je te pose la question, quel prix que tu vas demander pour laisser aller ta tasse que je viens de te donner? Donc, pense à un prix dans ta tête. OK. Samuel, toi, tu as le goût d'avoir la tasse. Quel prix? Serais-tu prêt à payer pour Mais avoir est la qu est tasse? quest C'est de la bonne qualité. Là. Qu est tu marqué. peux y toucher. Ah, c'est un beau petit message positif. Oh. Okay. Alors, vous avez vos prix. prix en tête. Ouais. ouais. Samuel, quel est le prix que tu es prêt à payer pour avoir la tasse? 2,75. Ben voyons donc. C'est si ça tu m'y Ben, Et mettons toi? 3. 3 piastres. OK. Ben moi, j'avais 25. T'avais 25 piastres? <laughs> Hé, hey, c'est une belle tasse. Non, c'est vrai qu'elle est belle. Elle, ouais, mais elle est lourde, lourde là, c'est une vraie tasse. Oui, mais 25 ça m'a coûté bien moins cher que ça. Okay. Hey, peut-être 5, 5$. OK, piastres. 5$. Bon, ouais. je garde mon prix. <laughs> on a quand même un écart de prix entre les deux. Ouais, de 20 et ça, ouais. on a fait vraiment l'expérience dans une classe d'étudiants et le prix demandé moyen était 5,25$ pour ceux qui avaient la tasse. Puis pour les autres qui n'avaient pas la tasse, c'était 2,5$. Donc, on avait quand même un ratio de 2 du 1. Mais qu'est-ce qui explique ça? Je suis sûr que David tu as reçu la tasse tu dis ah oh, c'est à moi. Mais ben oui. Ça m'appartient. Hein? je vais me faire soit un bon thé ou un bon café. Oui. Et ce que ça fait c'est que tu as attribué la valeur à cette tasse là. Même si une fraction de seconde avant tu ne l'avais pas. Puis Samuel le fait qu'il l'a pas, qu'est-ce qui est arrivé? Il a créé une distance émotionnelle par rapport. Ben oui. pas à, à moi, son ça produit Ouais. Moi, je ne paierais pas plus, euh, plus que 2,50. Écoute, si Michel a <laughs> déjà bu dedans, je te donne 10. <laughs> ouais, OK, non, mais j'avoue que 25, c'était peut-être un peu trop, là, mais j'aurais au moins, au moins mis 15 pièces Mais c'est ça. Et ça explique pourquoi on trouve toujours que notre maison vaut beaucoup plus cher que le marché te donne. C'est ah. pourquoi quand on achète une action à la bourse qu'on a pris le temps d'analyser, on a le goût de la garder, même si des fois, le fondamental mmh. a changé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un catalyseur qui fait que l'entreprise n'est plus nécessairement la même qu'avant, puis tu n'as pas le goût de en départir, d'autant plus qu'on a vu quelques instants avant l'aversion aux pertes. Donc, tu fais l'analyse, tu es confiant, ça ne va pas de ton bord, puis là, tu veux garder l'action parce que tu as fait ton analyse à cause de l'effet de dotation, tu veux ouais, la garder. Ouais. Et en plus, ça te fait mal. Puis en plus, c'est ton à... bon amour avec le stock. Ouais, en ça. plus. <coughs> Ah, Il faut, faut essayer de se distancer de, de, de ça le plus possible. Hey, ça me fait ouais. penser à de quoi, qu euh, qu on va dire, ça m'énerve vraiment quand j'entends ça. Le monde qui font juste dire que le marché est cher, que les actions sont chères, c'est toujours cher, tout est toujours trop cher. Tu sais, ça fait, en que depuis toujours que moi, j'entends ça, c'est toujours trop cher, c'est toujours trop cher. Puis souvent, ces gens-là, ben, ils, ils font rien puis ils n'achètent pas. Mais tu sais, c'est un peu la même affaire. Quand tu dis que c'est trop cher, c'est parce que tu as une grande distanciation, versus que quand tu as en amour avec, ben, tu es, con es convaincu que ça vaut mm -hmm. le prix que, que tu vois là. Fait quelqu'un qui veut, qui dit que c'est trop cher, c'est parce qu'il y a une grande distanciation par rapport au stock ou ça n'a rapport? Ben, si la personne a fait une analyse, puis effectivement, ça peut être trop cher à ses yeux, c'est une façon aussi de rationaliser, de dire j'embarque pas <coughs> dans le marché boursier parce que j'ai une raison valable tirée du système 2. Mais il faut comprendre qu'à la bourse, chaque transaction, il y a quoi? Il y a un acheteur et un vendeur. Puis ce qui arrive, c'est que tu as beau faire d'analyse ce que tu veux, mais au final, ça va être l'appétit des investisseurs qui va ouais, faire que ça va monter ou baisser. Et ça, malheureusement, tu ne peux pas toujours le quantifier. Mais tu sais, mettons qu'on regarde le marché immobilier versus la, à la bourse. Parce qu'à la bourse, je veux dire, la, le cours acheteur-vendeur, c'est des microsecondes d'achat-vente. le prix fluctue quand même, peut varier beaucoup dans une journée. Par contre, en immobilier, euh, si une maison s'est vendue, on va dire, 600 000, puis que l'année d'avant, elle valait 400 000, ben oui, tu peux dire qu'elle est vraiment chère, mais tu ne peux pas contrer l'effet de, de, euh, de la demande. L'offre et, ouais. et la demande, je vous ai dit, si elle s'est vendue 600 000, c'est parce qu'elle vaut 600 000. Quelqu'un a été prêt à payer pour. Fait que ça, j'ai quand même un problème avec ça. Je trouve que c'est n'est pas le... J'aime pas ça entendre ça, c'est trop cher. Si quelqu'un payé pour... Mais en même temps, quelqu'un a payé pour, mais ça revient à dire, tu sais, si c'est ta maison, peut-être que selon toi, elle vaut plus cher. Ouais, c'est que... ça, c'est ça. Mais tu sais, si dans une position où tu es, un... es la personne qui achète, euh, si elle a été achetée avant à, ouais. à 600 000, bien, je suis désolé, mais là, fais la demande, fait que ça vaut ça. Puis même si t'as une évaluation qui est plus bas que ça, pour moi, c'est la valeur achetée qui prévaut, parce que c'est la... Ben, c'est la, la, la vraie réponse, en fin de compte. Ouais. C'est le prix que quelqu'un est prêt à payer pour. Mais si tu as grandi dans cette maison-là, mm. ben, tu as eu tes premiers paintings, puis tu as eu des beaux souvenirs, puis tu as des ouais. photos tout partout, puis c'est toi qui as rénové euh, le sous-sol, tu ouais. vas avoir plus de misère à t'accorder au prix du marché. Pis ça explique pourquoi, d'un autre côté, quand les acheteurs hein, pour visiter, on demande quoi? D'enlever toutes les photos, enlever tous les ouais, articles qui sont vraiment ouais. personnels pour créer ce genre de détachement-là émotionnel pour la rendre plus objective possible. Hein. C'est évidemment très 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 difficile en termes de placement, surtout quand on est impliqué dans la gestion de portefeuille. Mais vois-tu, euh, je pense une bonne, une bonne méthode de contrer ça, c'est de faire ses devoirs premièrement. Oui. C'est de ne pas, de pas y aller sur, des fois sur l'intuition dans ce cas-là, mais d'y aller plus dans le, dans le technique puis flirte un peu avec le mm -hmm. fondamental. Mais quand on fait bien nos devoirs puis on s'en on, on se fie à l'analyse. Qu'on a fait assidûment, bien là, on a peut-être plus un. C'est peut-être plus le système 2 qui embarque, donc une réponse plus. Euh... Oui. Ben, la première question, c'est à savoir, quel conseil que tu donnerais à ton meilleur ami? Alors, tu prends vraiment Pour être une capable distance. capable de ah, okay. oui, c'est vrai. Quel conseil je donnerais à mon meilleur ami? Te parler ouais. à la troisième personne. Lui, Michel, là, il ferait quoi? <laughs> bon, faites pas ça en marchant dans la rue, dehors, en ouais. rentrant non, non, mais ouais. c'est niaiseux, mais on le fait jamais, là. C'est ça. Tu prends une certaine distance. Ouais. Qu'est-ce que Warren Buffett il ferait, lui? Tu te mènes à la peau d'une autre personne. Et un autre bon truc, c'est de traiter le problème dans une autre langue que la tienne. Qu'est-ce que tu veux dire? Moi, j'ai un anglais ordinaire, là. Mais si je cite le problème en anglais, qu'est-ce que ça fait? Ça me demande plus d'efforts cognitifs. Et ça m'amène à utiliser davantage mon côté rationnel. Hmm, c'est comme si ça remet une bûche dans le poêle. Ouais! <laughs> Ce que tu veux, tu veux ralentir le rythme. Tu veux permettent d'avoir vraiment une pensée qui est plus réflexive. Pensez à la troisième personne, le meilleur conseil que tu donnerais un ami, pensez dans une autre langue, puis qu'est-ce que Warren Buffett ou un idole mmh. que tu as au niveau de l'investissement euh, analyserait la ouais, situation ouais, ouais. en, en même temps. Moi, j'ai euh, pris ton truc là, de la première saison que tu avais dit euh, si tu avais à conseiller ton meilleur ami. Là. Ça, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai vu des perspectives... Que j'avais pas réalisé avant. C'est comme si au début, je voyais une porte, puis quand je, me, je parlais au nom de mon ami, là, vrai, je voyais genre vrai. 12 portes. C'est enfin, comme, merde, c'est vrai, il y a ça, il y a ça que j'ai pas vu, il y a ci, il y a ci, il y a ça. Euh, ok, ouais, je suis pas sûr que je lui offrirais à lui. Mais ça peut être, c'est ça, ça peut être, tu sais, ça s'adopte dans le marché boursier, mais ça peut être en, dans la vie en général. Ça prend, moi, je dis au minimum ouais. trois raisons. Vous connaissez la règle de trois? Mmh. Si tu veux donc. faire une présentation euh, punchée auprès d'un client, okay, vas-y ouais, avec trois points. Steve Jobs? Oui. Ouais. On parle d'introduction, développement, conclusion, euh, dîner, déjeuner, souper, ouais. le Yes Weekend d'Obama, IBM, etc. Donc, on est habitué de vivre avec ce cadre-là. Si je t'approche et je te demande de moi trois raisons pourquoi tu détiens l'action, il faut que tu aies trois raisons différentes et complémentaires. Si tu me dis... C'est à cause que c'est Elon Musk, puis euh, ah, il est bon parce qu'il a eu du succès dans la vie, puis j'y fais confiance. C'est ouais. une raison. raison. C'est Elon Musk. <laughs> parce que t'aimes le ça, gars. OK? Il okay? faut que tu me trouves trois raisons différentes et complémentaires. Il ouais. faut que tu sois capable de me le dire de façon vraiment rapide parce que tu as fait ce travail-là. Si tu pas en mesure de le faire, oublie ça. Alors, Ben Rugg, du pouce, trois arguments avant d'acheter, puis ça peut être. Euh, comme tu le mentionnais, dans, appliqué dans d'autres facettes de la vie. Et hey, puis, euh, tu sais, on parle de billets comportementaux, mais faut en prendre conscience qu'il y a des billets, tu sais. Mais des fois, quelqu'un qui, intuitivement, il est bon, ben, tu sais, des fois, il va juste continuer d'être bon aussi. Puis, tu sais, même s'il sait qu'il y a des billets, mmh. pis pis il va. T'as ouais, pas, je vais juste finir ouais, mon exemple. Loin, ouais. Parce que je veux mais pas, je je veux vois, pas me perdre dans mes affaires. <laughs> mais, tu sais, même si on est conscient de nos billets, il y en a qui marchent mieux. Ça, c'est dans mon cas. Euh, spontanément, des fois, je fais souvent je fais plus souvent des bons coups spontanément que des coups trop réfléchis parce que moi, c'est dans ma personnalité. Puis il y a des gens qui sont peut-être plus analytiques que les autres font des meilleurs coups une fois que c'est analysé. Par contre, comme dans le comme dans le, le, le fait d'y aller sur, la, sur le vif, des fois, on mm -hmm. prend des, des, des décisions trop vite qu'on se plante, mais quelqu'un qui analyse trop aussi peut manquer la ça. vague. Mm -hmm. Fait que tu c'est d'être où est-ce que tu es confortable, puis où est-ce que... Euh, euh, de trouver ta ouais, zone. De trouver ta zone où, où tu performes le mieux. Fait que moi, j'ai toujours eu une, faci une facilité dans tout ce qui est spontané. C'est ça. Fait que même si je veux essayer de prendre conscience de mes billets, euh, je performe mieux là. C'est ça. Tu ne veux fait pas que... non plus écraser ton intuition. Oui, exactement. C'est ça. C'est bien dit. Je ne veux pas écraser mon intuition. Mais en même temps, il y a des choses que j'ai changées au fil des années euh, parce que je sais que c'est plus. Ça ne fait plus de sens, mettons, rendu à où je suis rendu dans la vie. Mm -hmm. Là, à là j'ai deux enfants. Euh, Il y, y a des places où je ne vois plus. Même si je suis jeune, je me dis euh, qu qu'est-ce qu que mes filles ouais, penseraient de moi t'sais. Il y a des compagnies dans lesquelles je n'investis pas, à cause que pour moi, je ne trouve pas ça éthique. <laughs> puis même s'il y a un gros potentiel de, de faire de l'argent, je n'encourage pas ça. T'sais, comme le, les domaines de, de la cigarette puis tout ça. Même s'ils versent un super de bon dividendes, ça ne me tente pas puis je ne veux pas faire partie du problème moi je veux faire partie de la solution c'est ça c'est mon thinking là-dessus ouais. hein, je ferais peut-être un petit bémol pour les gens à la maison qui commencent dans l'investissement boursier c'est pas à cause que tu as une intuition qu'elle est valide mmh. ouais. parce que toi tu as ouais. sûrement tapé dans un réservoir plein d'expérience puis là tu t'en vas chercher ça de façon inconsciente pour avoir une intuition valide il faut que tu aies testé ouais, tu as sûr, un peu d'expérience puis aussi, c'est d'être à l'écoute de ce que ton corps t'envoie comme signaux. Si es en train de négocier, puis t'as les épaules comme ça, puis t'es vraiment stressé, crisper, ouais. là, il y a un message que ton corps te lance, c'est soit à l'écoute de ça. Une anecdote George Soros, qui est un milliardaire très populaire dans le domaine euh, boursier, lui, quand il avait vraiment mal dans le bas du dos, mm -hmm. s'il y avait une transaction qui allait vraiment pas bien, là, au lieu de la vente, là, il en rachetait. Et? C'était comme un signal que son corps disait Écoute, ça a été difficile, là, mais garde le cap. Tu as fait une bonne analyse, tu devrais en ajouter sur ta position. Il utilisait son corps qui envoyait un signal et c'est comme une forme d'intuition. Mais est-ce ouais. que lorsqu'on commence, comme par exemple, moi, j'ai 21 ans, ça fait un an là, que j'investis ouais. un petit peu, est-ce que c'est pas mieux de. Tu sais, je veux dire, si on commence à. Est-ce que c'est pas mieux de suranalyser sur euh, la situation? Que de mettre son intuition à 100% à côté. C'est mal, mal interprété. Là. Je te le dis, là, David, mais... tu as pas d'intuition. C'est sûr, mais exact. Okay. Tu es mieux d'être un peu plus rigoureux. Puis à un moment donné, au fil du temps, tu vas comprendre mieux les situations. Tu vas aller dire OK, j'ai déjà vu ce genre de situation-là. Et tu vas apprendre de ça. Puis tu vas l'appliquer euh, plus rapidement. La bonne chose à faire, c'est d'être plus rigoureux. Yes. <laughs> euh, une phrase que j'aime que j'aime beaucoup, ben une, un exemple que j'aime bien, c'est. Toutes les clés du succès ont été dites. Toutes les meilleures recettes y ont tous été dites. Ils sont tous sur la table. Fait que si on veut s'entêter à essayer de battre le marché ou à être meilleur que qu'un qu exemple qu'on s'est donné, ben tu sais c'est, en tout cas moi je trouve pas ça une bonne idée là, dans le sens que tu sais si tu si un job à temps plein puis tu dis je veux faire du day trading puis mm -hmm. ça s'applique pas, ben tu sais arrête de t'entêter de dire que tu vas en faire. Ça, ça me semble un mauvais plan mm -hmm. à la base. Euh, mais tu sais, combien de personnes je vois faire ça, se lancer, en, qui font du day trading, mais ils ont ouais. un job à temps plein en télétravail, ça n'impacte leur, leur job actuel, euh, ils performent moins bien, à la limite, ils se, font, euh, ils se font mettre à la porte, ils ont perdu leur plus gros revenu. Ben oui. Tu sais, il y a bien des affaires là-dedans qui ne font pas de sens, mais quelqu'un qui ne connaît pas ça, puis qu'il n'y a pas beaucoup de temps, ben un fonds indiciel me semble un outil intéressant à explorer par rapport à, à, à un mode de vie. Mais tu sais ça, ça, on ne réinvente pas la roue ici, là. on n'a pas dit quelque chose que personne ne savait, là. ça l'a ça tout été déjà dit. Mm. Fait que oui, faire des devoirs, c'est important, mais des fois, regarder des patterns d'investissement qui collent avec notre réalité est doublement, import, doublement ouais. plus important, là, selon moi. Là. Écoute, pour terminer, là, si je pose la question à quelqu'un, qu'est-ce qui t'attire dans le domaine boursier? L'excitation d'acheter une action, puis ça va monter je sais que la personne, elle va être dans le trouble dans le futur. Elle va être déçue aussi. <laughs> elle va être déçue. Ouais. C'est plate, l'investissement boursier. C'est vraiment rigoureux, puis de le faire sur une base régulière, constance. Si tu as le goût d'avoir l'excitation, bien, tu peux aller à d'autres endroits le chercher. Michel Villa, vulgarisateur boursier, merci beaucoup d'avoir fait le point sur euh, les biens comportementaux. Sam Nadeau, merci à toi également. Puis euh, à vous aussi. On se dit à la prochaine pour un autre épisode de Garde le change. Ciao!